Salut à tous, salut. Voilà qu'on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo. C'est pas un tutoriel vidéo, autant là je vais présenter beaucoup de trucs tels que des codes de pompage du data pour la Côte d'Ivoire, Orange CI et Move CI. Justement, dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter les projets de VPN que je travaille justement pour certains pays. Donc, vous devez télécharger ces VPN, question de tester, d'essayer d'utiliser chez vous. Donc, déjà, c'est Chronique Hacker. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les listes des VPN avec des stabilisateurs de connexion. Justement, je vais vous présenter un VPN aussi qui est inconnu de tous ceux qui utilisent les protocoles SSL et bien d'autres protocoles. Pour télécharger tout cela, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, justement dessous de la vidéo. Et aussi, vous verrez aussi des tutos similaires à HAGUIPS Technologies et HND Tuto. Donc, déjà au préalable, je vais vous présenter. Ici, on a Chronic Hacker Stable. Ici, on a Chronic Hacker Stable. Stable VPN. Ici, ça, c'est le mode Brute Force avec UltraSurf pour le Cameroun et ceux qui utilisent UltraSurf. Soyez bien et notez très bien, je vous ai expliqué le principe des différents VPN. Donc, nous avons UltraSurf qui est un VPN qui permet la navigation anonyme avec un cryptage MD5 sur votre smartphone ou votre ordinateur. Mais cependant, pour l'utiliser gratuitement, il vous faudra au minimum 50 mégas. Question que ça télécharge les serveurs. Quand je parle de télécharger les serveurs, cela se passe en arrière-plan, donc vous ne pourrez pas voir comment cela télécharge les serveurs. Donc justement, pour utiliser UltraSurf, vous allez cliquer avec quand vous auriez 50 mégas dans votre smartphone ou bien dans votre modem connecté à votre ordinateur. Vous cliquez sur Start et là, vous allez voir un message. Voici comment télécharger la liste des serveurs. Bon, je vais vous présenter UltraSurf, comment télécharger la liste des serveurs. Voilà. Eh bien, attendez, justement. Voilà, je vais cliquer justement là. On patiente. Voilà. Et ça vient télécharger la liste des serveurs, comme vous voyez cependant ici, 96,9% et bien d'autres. Donc, ça veut dire que ces serveurs sont valables 24 heures du temps, mais en cas de redémarrage de votre ordinateur ou bien de votre smartphone, vous seriez obligé de remettre encore les 50 mégas. Parlons de Chronic Hacker Stable. Voilà la version Chronic Hacker Stable avec les simple serveurs. J'ai fait des simple serveurs pour Orange Mali, j'ai fait des simple serveurs pour Orange Cameroun, mais notez bien Orange Cameroun. Et MTN Cameroun, le simple serveur, ça marche pour les pays tels que la RD Congo, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Donc, et aussi le Gabon, si je ne me trompe pas, bon, ça marche aussi au Gabon. Justement, voilà où coller les simple serveurs. Donc, vous allez venir justement ici, ces simple serveurs sont universels que j'ai déjà pu faire. Donc, vous pouvez ouvrir UltraSurf et le lancer pour pouvoir profiter de la connexion Internet. Voici le stabilisateur Simple Server. Voilà justement les stabilisateurs Simple Server. On patiente justement que la page de stabilisation s'initialise donc. Justement, voilà free.facebook.com, omrs.orange.cm et fr.m.wikipedia.org. Voilà justement. Et bien pour le Mali, nous devions ajouter aussi Google. Donc pour l'ajouter justement, nous allons venir sur Edit avec Notepad, plus plus, autant pour moi. Vous avez vu, vous pouvez ajouter autant de valeurs que vous voulez avec ça. Justement, vous avez vu Orange Mali, vous faites seulement CTRL-C avec vos pages qui s'ouvrent par redirection. Si c'est Libertis, si c'est Move, si c'est, je peux dire, pour la Côte d'Ivoire, free.facebook, ça c'est aux côtés du Cameroun, Guinée équatoriale et du Gabon. Libertis, vous avez vos pages de redirection qui sont. Je peux dire move cd, c'est move.cd. Vous ajoutez, vous faites justement là, vous mettriez 4 justement ici qui sont d'incrémenter à chaque fois cela. Vous avez les custom ici, vous pouvez mettre le host ou bien non, vous pouvez mettre proxy. Proxy vous dit que la page est un proxy ou est un host ou est un serveur. Donc, quand je mets host pour custom 0, ça veut dire que l'adresse 0 c'est un serveur, l'adresse 3 qui est ceci. C'est un proxy. Donc, justement, voilà comment cela. Vous avez Siphon qui fonctionne avec le mode stabilisation, stabilisateur de, et aussi, comme j'ai dit tantôt,
avec les simple serveurs que je viens d'ouvrir tantôt. Avec Sifon, la configuration reste la même. Il n'y a pas trop de configuration à faire, étant donné que cela exploite les protocoles SSH et aussi les protocoles 443. Vous avez ici les différents protocoles. Donc, vous pouvez ajouter votre port local là, et ici, vous ajoutez les mandatés ascendants. Donc, justement, mais je vous conseille de mettre par défaut. Justement, je vous présente un nouveau VPN appelé Softheader qui utilise les protocoles OpenVPN. Si vous avez une faille qui fonctionne généralement chez vous avec OpenVPN, telle que la RD Congo avec les OpenVPN, justement, je vous conseille d'utiliser Softheader VPN Client Manager. Justement, après avoir installé ceci et installé la carte réseau virtuel, vous redémarrez votre ordinateur. Justement, ce fichier en passant pèse 56 mégas. Vous allez double-cliquer là. Vous allez faire refresh list. Bon, après avoir fait refresh list, vous avez ces différents serveurs. Il suffira de cliquer ici I agree. Et utilisez votre différent type de protocole, si c'est HTTP ou bien UDP. Ensuite, vous cliquez sur OK pour pouvoir naviguer sur Internet anonymement. Et encore, on va présenter des top des VPN. J'ai présenté tantôt, mais cependant, cette vidéo, je vais présenter ce qu'on appelle les codes de pompage de data aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le reste du code, la finition du code sera publiée sur mon Twitter quand j'aurai cumulé les 1000. Des 1000 abonnés sur Twitter. Donc justement, je vous laisse à vous de voir. Déjà à vous de voir du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, pompage ici. Vous avez vu ici Twitter, il y a un long code là. Vous allez insérer justement ici que je posterai sur mon Twitter quand j'aurai les 1000 abonnés. Ici, ça c'est Orange. Ça c'est le code Orange. Non, non, pas Orange, Move. Et ici, c'est Orange CI. Orange CI. Donc justement, cette vidéo arrive à sa fin. Je posterai un autre tutoriel vidéo déjà comment surfer gratuitement toujours du côté d'Orange Cameroun parce que Orange Mali cependant avait un monsieur VPN. La configuration ne prenait pas. Justement, nous sommes en train de travailler dessus. Justement, comme je vous ai dit tantôt, dans mon groupe WhatsApp, je suis vraiment malade. Donc, je suis comme ça à l'hôpital. J'ai décidé pendant mon repos de faire une vidéo et question de poster pour vous montrer que je suis toujours avec vous et que je travaille continuellement sur les projets d'Internet gratuit via de différents pays dans le monde entier. Donc, justement, on se retrouve. Restez connecté à Chronic Hacker si vous voulez des nouveaux tutoriels, vous voulez des mises à jour, des tutoriels d'internet gratuit. Restez et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce, un like sur notre vidéo.